Bonjour, moi c'est Rodolphe. Et lui c'est... Thomas. Aujourd'hui on va présenter un livre qui s'appelle... Massamba. L'auteur... Béatrice. Fontanelle, illustratrice... Alexandra. Huard. C'est un jeune Africain qui vit en Afrique. Il s'appelle Massamba. Depuis qu'il est tout petit, il veut aller à Paris. À un moment, il prend son courage à deux mains. Il va en bateau et son chemin, il est très compliqué. Comme par exemple là. Arrivé à Paris, il vend des mini tours Eiffel. Au début, pour lui, c'est très dur, mais quand vous allez le lire, vous allez voir. Ce que j'ai pensé de ce livre, c'est que y a de la joie et de la tristesse. On passe par toutes les émotions. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre. Et quand on est à fond dedans, comme moi et Thomas, il se lit super vite. Les écritures sont pas trop grosses, pas trop petites. Et il se lit très bien. Je suis d'accord avec Rodolphe. Il dit des fois que c'est triste, comme cette image là, c'est triste. Ou des fois là, c'est lumineux, comme dit Rodolphe, là, c'est joyeux. C'est des très jolis dessins. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez savoir la suite du livre, il faudra l'acheter pour le lire. Et on vous dit à très bien. À très bien. À très bien. À très bientôt.